Bonjour, c'est Cathy, toujours sur Word. Je vous montrerai aujourd'hui comment on peut créer ou modifier un modèle de document dans Word. Je vais déjà ouvrir donc un document que j'ai déjà tapé, comme vous pouvez le voir là. C'est une invitation à une nouvelle galerie à une certaine date précise et je souhaite le faire en publipostage, pourquoi pas. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle invitation ou n'importe quel document que vous voulez créer en modèle. Donc une fois que vous avez saisi votre document, créé, mis en forme, etc., vous enregistrez le document avec Office enregistré sous et vous dites que c'est un modèle Word. Ce modèle enregistre le document en tant que modèle qui pourra être utilisé pour la mise en forme des futurs documents. Je clique donc dessus. Et je vais l'appeler invitation 1. Voilà. Et je l'enregistre. Ici. Puis, je vais aller sur le bouton Office et Nouveau. Je vais aller sur Mes modèles, ici. Et je vais demander Document vide qui se trouve en bas à droite. Excusez-moi, ici à droite, Document vide. Voilà. Pour la section Créer un nouveau, sélectionnez Option Modèle, Nouveau, Créer un nouveau document ici, et je vais demander Modèle. Je clique dans le rond Modèle et je dis OK. Une nouvelle fenêtre de Word s'ouvre. C'est un document vierge. Nous allons donc copier et coller tout le contenu du document, c'est-à-dire votre lettre de base, dans le nouveau document Word vierge. On va aller donc sur l'onglet Affichage, ici, je clique avec le bouton gauche, et sélectionner Changement de fenêtre, un peu vers la droite, ici, Fenêtre, vous avez le groupe Fenêtre ici, Changement de fenêtre, ici. Je vais donc cliquer dessus. Voilà. Et je vais sélectionner mon invitation 1, que vous voyez là. Voilà, c'est bien l'invitation que je veux, que j'ai comme modèle. Je vais donc sélectionner l'ensemble du document. Je vais aller dans Accueil, j'y suis déjà, et je vais à droite pour sélectionner tout. Ça sélectionne tout le corps de ma lettre. Jusque-là, tout va bien. Et je vais cliquer sur le bouton droit de la souris, clic 3. Et je vais faire un clic gauche, copier sur copier. Copier. Je copie donc l'ensemble du document, le corps de ma lettre. Je vais donc sélectionner l'onglet Affichage, qui est ici. Je clique avec le bouton gauche dessus. Et je vais à droite sur, excusez-moi, je vais chercher l'onglet Affichage. Basculer vers le document vierge que je ne vois pas, je suis désolé. Basculer vers une autre fenêtre. Donc sur le changement de fenêtre, modèle 1. Basculer. Vous voyez ici, ici. Donc, c'est bien le document vierge que j'ai devant moi. Et puis, je vais cliquer sur le bouton droit de ma souris et je vais dire clic gauche, coller et j'ai bien mon document ici. Évidemment, je peux remettre en forme si je le souhaite, si c'est un peu trop grand et que ça dépasse sur notre page. Voilà, parfois ça change la mise en forme, mais vous voyez bien que mon invitation est là, sans aucun problème.
à vous de remettre les choses comme vous souhaitez, sans aucun souci. Nous avons donc le document ici, que nous avons copié et collé. Voilà. Je vais donc enregistrer ce nouveau document en tant que modèle. Office, enregistrer sous, modèle. Voilà. Laisser le chemin par défaut proposé par Word et enregistrer le modèle. On va laisser invitation. Comme ça, je saurai que c'est celui-là. Invitation. Et je le laisse ici et j'enregistre. Voilà. En haut, nous avons bien le mot invitation. Pour vérifier que ce document a été bien enregistré en tant que modèle, je vais donc dans Office et Nouveau. Je vais dans Mes modèles. Voilà. On peut donc voir le modèle de lettre que l'on veut vient de faire. Ici, vous voyez le modèle que l'on vient de faire invitation. Donc, il est bien enregistré en tant que modèle. Voilà. À vous de changer les données, si vous le souhaitez, en faisant un double clic dessus. Et je n'ai plus qu'à changer mes données, ou à fusionner, dans mon cas, puisque c'était un publipostage. Voilà pour modifier et créer un modèle. Voilà, on peut modifier à tout moment, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous enregistrez les modifications. Ici. Et voilà, pour un nouveau document de Word, je quitte ensemble jusqu'au bout. Et maintenant, oui, je vais garder cette invitation, pas de problème. Ainsi, lorsque je relance Word, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire Office, Nouveau, Mes modèles. Et vous voyez ici, bien, mon document qui s'appelle Invitation. Je fais un double clic. Et je l'ai dès le départ comme modèle. C'est bien pratique si vous en avez besoin souvent et que vous n'avez pas besoin de recommencer. À bientôt pour un autre tutoriel sur Word. Au revoir.